الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد طيب دونك إن شاء الله نزلوا Euh, donner suite au cours de l'explication de la Sourat Al-Fatiha. Ce sera, Inch'Allah, le quatrième cours. Alors. Donc, on avait expliqué avec euh, l'explication de Sheikh Abdelrazaq al al-Badr. Donc, nous avions expliqué l'importance hein, de Surat al-Fatiha, al puisque beaucoup de gens n'avaient hein, euh, pas réellement connaissance de l'importance de cette sourate. Il n'avait pas réellement l'importance de cette sourate, et ce qui fait que euh, la majorité euh, des gens, des musulmans, lisent cette sourate sans en connaître le sens, ce qui fait que l'impact et le résultat voulu euh, par rapport à cette sourate. Euh, n'a pas lieu, c'est-à-dire qu'il ne profite pas en réalité des bienfaits, des énormes bienfaits euh, de cette sourate. Euh, on avait cité, on avait cité auparavant euh, le fait de la présence du cœur, le fait de la présence, d'avoir la présence du cœur hein, et pas seulement la présence des membres. Donc, euh, inshallah, dans ce quatrième cours il y aura euh, le rappel de euh, cette petite introduction que je viens de faire. Euh, cela sera euh, mentionné en tant que rappel. Alors, justement, en parlant de ça, le Cheikh nous dit, euh, donc, ne dis pas, ne dis pas, prononce pas cette surat, surat al-fatiha, comme beaucoup euh, le font uniquement avec la langue, uniquement avec la langue, et malheureusement, cela est, euh, c'est ce que font la plupart, la plupart des gens. طيب، دونك لو Shaykh commence son بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب لما بين الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمه الله تعالى لازك الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، c'est-à-dire l'auteur de cette سورة الفاتحة Donc, dans cette explication, hein, il, il a démontré hein, euh, l'importance de l'acceptation euh, du cœur envers Allah, Subhanahu wa Taala, dans la prière, et que euh, la prière, la prière sans l'acceptation du cœur, c'est comme euh, une âme sans Caroh euh, bilad Jesed, c'est comme une âme euh, sans corps, sans corps. Taïb. Donc, et tout en se basant, le shir s'est basé par rapport à cela sur la parole d'Allah, subhanahu wa taala. Fawailu lillusalim, malheur hein, aux prieurs qui négligent leur salat Al-lavinahum hein, an salatihim sahun. Donc là il fait un petit récapitulatif le shikh. « et le shikh euh, Rahimahullah l'auteur a mentionné dans le sens du verset et malheur, hein, malheur aux prieurs, hein, c'est-à-dire les prieurs qui euh, sont sous la menace, hein, ils sont sous la menace pour la négligence de leur prière, hein? il, a, il, a, euh, il, a, il a donné le sens comme quoi c'était euh, le fait de ne pas accepter, hein, de ne pas avoir l'acceptation du cœur envers Allah dans la salade, c'est-à-dire de ne pas avoir la présence du cœur, de ne pas être présent hein, avec le cœur dans la salade. Donc c'est la personne, ça c'est à l'exemple d'une personne qui prie avec ses membres, hein, il prie avec ses membres, il fait les mouvements hein, avec son corps, les mouvements avec son corps euh, de la prière, mais il n'a pas la présence du cœur, il n'a pas la présence du cœur. Donc ensuite le shir, le shir nous explique, le shir nous explique qu'en ce qui concerne salat, euh, surat, pardon, al-Fatiha, la surat al-Fatiha, lorsque la personne récite surat al-Fatiha, le shir nous explique que cette personne, hein, que la personne doit, doit lorsqu'elle lit méditer, méditer, hein, méditer euh, et cela est très 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 utile dans la concrétisation, la réalisation du but, hein, de la présence, de l'acceptation du cœur envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, et c'est pour cela, donc là on entre, écoutez bien, c'est très 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 important, tout est important, tout a son importance, mais là c'est très 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 important. Hein? Euh, et c'est pour cela On entre dans le vif du sujet Le sheikh nous dit C'est pour cela que le musulman Après qu'il ait Fait le takbir hein, Takbir euh, Le takbir euh, el, el ihram C'est à dire lorsqu'on dit ou Akbar hein, Le takbir d'ouverture hein, De la salat Et qu'il a fait Il a procédé à l'invocation L'invocation après le Takbir hein, L'invocation d'ouverture de la prière euh, Celle qui est légiférée À ce moment-là, il devra directement demander La protection d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et ensuite, il dit Bismillah Et il commence le Fatiha Donc le shikh, hein, euh, là, dans ce cours Il va nous expliquer euh, la demande de secours contre eux, la demande de secours contre eux, de protection contre qui Contre le shaitan. Et vous allez voir l'importance capitale que cela a. On a tendance à négliger par ignorance ou par oubli, euh, etc. etc. Dans les deux cas, c'est le shaitan. Hein <laughs> c'est le shaitan. Donc, euh, il faut prêter vraiment attention euh, à ce que le chiffre va nous dire ici. Voilà. donc à partir du moment où la personne commence à lire surat al-fatiha et qu'elle aura demandé l'aide d'allah subhanahu wa ta'ala le secours d'allah subhanahu wa ta'ala elle devra méditer elle devra méditer sur cette surat c'est-à-dire le sens, le sens de cette surat surat al-fatiha il devra méditer sur le sens et l'argumentation. Et l'argumentation. Il ne doit pas procéder à des paroles, il ne doit pas dire, la personne ne doit pas dire des paroles avec sa langue, hein, alors qu'elle ne connaît pas le sens dans son cœur, hein, alors que son cœur n'en connaît pas le sens. Écoutez bien, c'est très important. On ne doit pas dire des paroles avec la langue, alors qu'on ne connaît pas, le cœur ne connaît pas euh, le sens et qu'on n'a pas la présence par rapport à l'argumentation et la connaissance par rapport à l'argumentation de cette sourate. Hein? C'est pour cela, c'est pour cela que euh, le shaykh, sheikh al-Islam mohammed ibn Abd al euh, ici euh, nous explique, euh, sourate al-Fatiha, nous éclaircit. Euh, il nous éclaircit le sens, l'argumentation de cette sourate, bien entendu, en résumé, bien entendu, en résumé. C'est pour cela que le shir, Shir Muhammad ibn Abdel Wahab nous dit et euh, C'est pour cela par, par là que je, vous, euh, que je vous mentionne ici, que je te mentionne euh, certains sens. De cette immense sourate. Peut-être que euh, tu prieras avec la présence du cœur. Peut-être que tu prieras hein, avec la présence du cœur. Donc il faut faire attention à cela. Le shir hein, prête vraiment. Euh, il essaye de nous faire tirer, euh, de nous prêter, de nous faire prêter attention à cela en nous, euh, en nous éclaircissant le sens de souratele pour que le prieur puisse prier avec la présence du cœur. Parce que euh, le fait d'avoir la présence, c'est-à-dire la connaissance, lorsque l'on euh, récite surat al-fatiha, la, 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 la présence dans le sens où on connaît son sens, Lorsqu'on la récite et on connaît son argumentation, hein, cela aide à la présence du cœur. Et cela aide à la, à, la, à la concentration, pardon. Cela aide à se concentrer lorsque nous sommes entre les mains du Seigneur de l'univers, Allah Ta'ala, dans la prière. Et peut-être qu'à ce moment-là, à partir du moment où tu connaîtras, le sens et l'argumentation de cette sourate, peut-être que tu auras là, à ce moment-là, peut-être que tu prieras avec la présence du cœur et ton cœur aura connaissance de ce que tu prononces avec ta langue. C'est-à-dire que lorsque tu réciteras surat al-fatiha avec ta langue, ton cœur euh, aura la connaissance de son sens. Alors le cheikh nous dit, parce que celui qui prononce avec la langue quelque chose, alors qu'il n'en a pas la conviction, hein, la conviction du cœur, cela ne s'appelle pas, le cheikh nous dit, cela n'est pas une œuvre vertueuse, une œuvre pieuse. Hein, cela n'est pas une œuvre vertueuse. Mais le cheikh nous dit, une œuvre... Une œuvre vertueuse, c'est une œuvre qui a la présence du cœur. <coughs> Pardon. Donc le shirk nous apporte euh, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour venir confirmer son dire. Yaquluna al-sinatihim ma laysa fi qulubihim. Allah taala il dit et dans le Et ils disent avec leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Et ils disent avec leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Donc cela est blâmable. ذَكَرَ ذَلِكَ Cela est blâmable car Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela au sujet des hypocrites. Tout en mentionnant, hein, en clarifiant la situation hein, des, des hypocrites qui disent avec leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Donc cela et blâmable le fait de dire quelque chose avec sa langue alors qu'on n'en a pas la conviction dans le cœur euh, à partir du moment où le chir nous dit si on ne connaît pas le sens d'une chose comment peut-on en avoir la conviction voilà <coughs> donc ensuite le chir il nous explique il va nous expliquer le sens de la demande de protection à Allah lorsqu'on commence la prière hein, avant surat Al-Fatiha puis il va nous expliquer ce qu'on appelle la basmala c'est-à-dire lorsqu'on dit ar-rahman rahim bien entendu dans, un, euh, dans euh, le shir va nous faire ce qu'on appelle un résumé birtisar, un résumé alors euh, l'auteur rahimahullah Premièrement, a éclairci le sens de la demande de secours à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs, lorsqu'ils lisent le Coran, hein, de euh, demander le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable banni, Donc le sheikh nous dit, qu'est-ce que l'istihadah la demande de secours. Donc, qu'est-ce que, euh, quel est euh, le sens hein, euh, lorsque le prieur hein, ou le lecteur du Coran, euh, lorsqu'il est entre les mains d'Allah, lorsqu'il lorsqu dit... A'oudhou billahi minash-shaytanir-rajim. Je demande protection à Allah contre le Shaytan banni. Donc le diable banni. Donc qala, معنى billahi minash-shaytanir-rajim. Donc le sens nous dit le shaykh ici euh a'oudhou billahi minash-shaytanir-rajim, c'est-à-dire je demande la protection d'Allah, c'est-à-dire je me dirige, hein, vers Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de cet ennemi. Contre le mal de cet ennemi. Et ne prenons pas ça à la légère parce que le Shirk, il va donner une explication ici, euh, qui normalement, pour ceux qui, comme le dit Allah, n'y a-t-il pas des signes pour les gens qui réfléchissent Pour ceux qui vont méditer et réfléchir sur ce cours, croyez-moi, ça fait froid dans le dos. Croyez-moi, ça fait froid dans le dos, ça fait vraiment réagir. Ça fait vraiment réagir. Alors. La demande de protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan bani, c'est hein, le fait de se diriger complètement vers Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de cet ennemi. Donc, c'est vraiment de demander le secours, la protection en se dirigeant à Allah, en se dirigeant vers Allah le Très Haut. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala cette protection contre, contre, euh, contre l'ennemi hein, l'ennemi c'est-à-dire le shaitan pour que l'on soit débarrassé, hein, protégé de son mal hein, et de son stratagème et de son stratagème. Donc lorsqu'on parle de stratagème. Il faut vraiment être sur ses gardes. Lorsqu'on sait qu'on a un stratagème sur nous 24 sur 24, euh, il faut être sur ses gardes. Minashar had Donc, on demande la protection, d'être protégé, hein, d'être prémuni contre le mal du diable et son stratagème. Taïb, le stratagème de cet ennemi, qu'il ne puisse, pour qu'il ne puisse pas, écoutez bien, pour qu'il ne puisse pas me nuire, je demande à Allah. La protection contre le stratagème de cet ennemi et le mal de cet ennemi pour qu'il ne puisse me nuire dans ma religion et dans ma dunya, dans ma vie, ma vie mondaine, ma vie d'ici-bas. Alors, Cheikh Abdel al Razak al-Badr nous dit l'auteur, Cheikh Al-Islam euh, Mohammed ibn Abdel Wahab, a voulu nous faire prêter attention ici, hein, a voulu nous faire prêter attention ici, comme quoi le shaitan veut veut pervertir le serviteur et détourner le serviteur, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou que ce soit, hein, il veut lui pervertir, hein, lui cacher sa dunya. Et son akhira, sa vie d'ici-bas et son au-delà. Alors, comment dans cette dunya, le Sheikh nous dit De le faire tomber dans des œuvres hein, de manière à ce qu'il perde son argent, ses biens, qu'il perde sa santé, qu'il perde sa raison, qu'il perde sa manière de réfléchir. Et également dans la ça c'est dans la dunya hein, donc apprendre au sérieux hein, et dans la vie euh, dans la dans c'est-à-dire dans l'au-delà hein, c'est-à-dire <coughs> le détourner hein, le détourner euh, des œuvres vertueuses le détourner des œuvres euh, vertueuses le détourner d'Allah subhanahu hein, wa taala de l'éloigner d'Allah subhanahu wa taala de l'éloigner de la réussite hein, de l'éloigner de la récompense hein. donc le shaytan le shir l'auteur nous dit le shaitan, hein, il veut t'empêcher de faire ce qui t'a été ordonné. Hein, et il veut hein, te faire faire ce qui t'a été interdit, bien entendu, par Allah subhanahu wa ta ta'ala. Donc le shaitan, hein, lui, il œuvre euh, pour ces deux choses. Hein, te gâcher la dunya, la vie d'ici-bas et l'akhira, l'au-delà. Donc qui pourrait se douter, hein, qui pourrait se douter, si ce ne sont les les savants qui nous l'expliquent, hein, qui nous l'explique parce que c'est très 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 pointilleux, c'est très daqir, hein c'est très précis. Euh, euh, voilà, il travaille, c'est comme s'il a un cahier des charges euh, Il travaille, il lâche pas, il a, des, il a une armée euh, C'est Pendant qu'on dort, il travaille, etc C'est vraiment, faut prendre vraiment ça au sérieux et pas à la légère Je vais vous donner une faïda Je vais vous donner une faïda, c'est-à-dire une parole profitable hein, Très 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 moufide pour ceux qui vont la comprendre La majorité des gens Comment, comment ils se font avoir C'est-à-dire, comment ils font pour être dans un laxisme euh, ou dans une léthargie ou ce que vous voulez Comment, com comment font-ils d'être dans cette négligence Bah ben, C'est parce que une des grandes armes et une des premières des premières euh, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire stratagème du shaitan c'est excusez moi c'est que le, le, le la personne n'est pas conscience conscience de son euh, de sa présence de sa présence c'est que la personne n'est pas conscience de sa présence alors là quand il se fait passer, pour invisible c'est pas lui non non c'est pas chezta ne faut pas toujours remettre sur son dos etc etc Ah, il est bien là là il peut faire son travail hein? il peut faire son son travail donc il faut être très 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 vigilant et vraiment prendre ça au sérieux et aujourd'hui c'est pas j'ai déjà fait un rappel sur ça sur les, les stratagèmes du, du shaitan J'essaierai de le retrouver et de le mettre sur, la, sur, euh, sur YouTube. Euh, J'avais fait un détail, hein, vraiment un, un cours euh, consacré à cela. Euh, et c'est très 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 important, des choses qu'on n'imagine même pas. Euh, alors que nous, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Lui, il voit des années, des années après. Hein? Il vous fait faire une chose, hein, et que nous, on, on, on se dit euh, « Ouais, voilà, c'est pas extrêmement grave » mais que lui il a pensé que si je le fais entrer dans ça, plus tard, plus tard, ça va le faire tomber dans autre chose qui est plus grave, et qui peut être voire fatale, etc., etc., etc. Donc le cours d'aujourd'hui, hein, c'est pas de, de détailler cela, mais c'est de détailler l'importance hein, de, demander, de demander à Allah la protection, et vous allez voir pourquoi. Alors, le Cheikh nous dit donc son but hein, euh, c'est de détourner la personne. Taïb, de détourner la personne euh, d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des ordres d'Allah, en lui faisant faire, en le faisant tomber dans les interdits. Alors, lorsque la personne, le serviteur, veut faire des œuvres de bien comme la prière, la lecture ou autre chose, hein, euh, c'est pour cela, hein, le Cheikh nous dit, qu'il nous est légiféré, que ce soit dans la salade, dans la lecture ou autre chose, des œuvres pieuses, de demander la protection d'Allah contre l'ennemi. Hein. Cela, euh, cela a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, si tu veux être préservé dans ta prière hein, contre euh, le shaitan, l'ennemi, euh, notre ennemi, hein, euh, il faudra demander le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala et le shirk nous dit il se peut, hein, c'est-à-dire cela est réuni dans trois choses hein. celui qui veut obtenir euh, justement euh, la protection être prémuni euh, du shaytan hein, euh, le shirk nous dit cela euh, se réunit dans Trois choses. Alors le cheikh nous dit ceci est, est immensément profitable hein, pour celui qui veut être prémuni, préservé euh, de l'ennemi, le shaitan. Hein, cela se trouve dans trois choses. <coughs> la première, le shikh nous dit, nous, va nous enjoindre à trois choses pour vraiment être préservé. Bismillah, bien entendu, par la volonté d'Allah. La première chose, hein, lorsque tu sortiras, lorsque tu sors de ta maison, tu sors de chez toi pour prier, hein, tu dois invoquer Allah. Et il y a une invocation spécifique lorsque l'on sort de la maison. Bismillah, tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Donc ça c'est l'invocation. Hein, celui qui veut être préservé du shaitan, quand il sort de chez lui, il dit cette invocation Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla, wa la quwwata, illa billah. Donc bien entendu, al-Muslim euh, la citadelle du musulman. Vous allez trouver euh, en français, vous allez trouver traduction, etc., etc. Hein. Donc euh, à partir de ce moment-là, il a été dit que euh, <coughs> les chayatines euh, si je puis me permettre dans notre jargon, ils sont mal. Les chayatines, ils sont mal lorsque la personne, déjà dès qu'elle sort de chez elle, elle dit cette invocation, nous dit le shir. Hein. Comment, hein, comment pourrait-on agir contre quelqu'un que ça y est, il est protégé, il est guidé par Allah subhanahu wa ta'ala hein. Alors le shir nous dit, n'oublie pas lorsque tu sors de ta maison bismillah, allah, hawla, illa billah razak badr. ça c'est la première chose. Hein? la première chose, déjà, dès que tu sors de chez toi. deuxième chose, parce que je vais peut-être, ça va peut-être être une nouveauté pour certains, qui ne connaissent pas, qui ne, qui ne le savent pas, et pour ceux qui le savent, ça sera un rappel, c'est que chaque être humain a un shaitan qui est toujours avec lui qui le suit Bayib. chaque être humain a un shaitan qui le suit partout d'accord donc la deuxième la deuxième chose euh, à laquelle nous enjoint shir abdallah al-badr al sur les trois choses hein, mentionnables la deuxième pour vraiment euh, être dans la protection d'allah subhanahu wa ta'ala la deuxième, c'est lorsque l'on entre à la mosquée, on doit demander la protection d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ta'ib. Donc, l'invocation qui était connue du prophète, a'ouhu salatu wassalam, karim, wa bi bi qadim, min Donc, ça, c'est la deuxième chose lorsqu'on entre à la mosquée. Taïb. La troisième chose, تكبر, donc là c'est ce qu'on a dit précédemment, la troisième chose, c'est après avoir fait hein, le takbir, c'est lorsqu'on dit Allahu Akbar d'ouverture de la prière, hein, et qu'on a dit l'invocation d'ouverture de la prière, là on demande directement, on demande directement la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable banni. Donc le shirk nous dit ces trois choses, hein, ces trois choses sont les choses vers lesquelles on doit se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te préserve, protège de cet ennemi et pour que tu sois préservé dans ta prière. La la wa -la -kun Donc à ce moment-là, hein, le shaitan ne pourra t'approcher hein, et euh, il ne pourra euh, appliquer sur toi de stratagèmes, puisque euh, tu te seras complètement euh, dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala dans la demande de sa protection. Alors le chir nous dit, contrairement à celui qui est dans le laxisme, dans la négligence. C'est pour ça que je dis que c'était très important. Contrairement à celui qui est dans le laxisme, dans la négligence, hein, en ce qui concerne la demande de protection à Allah, ce wa et le fait de, euh, de, de, de mettre en pratique ces trois choses euh, que le chir nous a mentionné euh, précédemment. Et le shirk nous mentionne une parole ici et celui qui s'éloigne, hein, celui qui s'éloigne du rappel du miséricordieux, hein, euh, on lui mettra. Hein, euh, sur son chemin un shaytan un shaytan donc parce que euh, comme je l'ai dit précédemment le cheikh nous le dit ici, nous le répète le shaytan il est motivé et il ne cesse d'être d'être sûr le serviteur l'adorateur hein, qui veut faire des œuvres de bien que ce soit la salade que ce soit la lecture etc et le chikh nous dit que le serviteur l'adorateur d'Allah n'a aucune échappatoire n'a aucune échappatoire si ce n'est la demande si ce n'est la demande de secours auprès d'Allah Subhanahu wa Et il va argumenter le shir. Il va argumenter Qu'il n'y a aucune échappatoire Si ce n'est la demande de secours à Allah subhanahu wa ta'ala Et Sheikh al-Badr al al nous mentionne Nous mentionne un verset Un verset d'Allah subhanahu wa Dont euh, la traduction approximative Nous dit hein, Il vous voit Hein? Il vous voit de là où vous ne le voyez pas. En, en parlant du shaitan, votre ennemi. Il vous voit de là où vous ne le voyez pas. Hein? Alors, le shir, regardez ce qu'il nous dit. Et c'est là euh, ce que je vous ai dit précédemment. Que euh, pour ceux qui assimilent et qui comprennent, que c'est vraiment. Euh, il faut qu'on se réveille. Euh, parce que c'est très percutant la parole du shir ici. Le shir nous dit un ennemi qui te voit et toi tu ne le vois pas un ennemi qui te voit et toi tu ne le vois pas certains parmi les pieux prédécesseurs de salef certains parmi les pieux prédécesseurs ont dit Dans le sens approximatif, hein? un ennemi qui te voit et que toi, tu ne le vois pas, la difficulté est immense pour s'en sortir. Il est très, très difficile hein, de s'en sortir. Ce n'est pas un ennemi, une personne qui est en face de toi que tu vois. Euh, à, à, par laquelle tu peux te défendre, tu peux répliquer. Hein. Mais c'est plutôt un ennemi qui te voit et que toi, tu ne vois pas. Il n'y a aucun échappatoire pour toi hein, en ce qui concerne un ennemi qui te voit et toi, tu ne le vois pas. Tu n'as aucune voie de sortie. Jamais impossible, nous dit le chir al Abdelazak al-Badr.

pour te défendre, sauf sauf en demandant le secours d'Allah subhanahu wa il vous voit de là où vous ne le voyez pas, le shaytan. Comment tu veux te défendre d'un ennemi, et toi tu le vois même pas. « alors le Cheikh nous dit Lorsque tu as demandé à Allah Tu as demandé le secours à Allah hein, Contre cet ennemi Et que tu as demandé la protection d'Allah Ceci est une cause Écoutez bien Ceci est une cause de la présence de ton cœur. Ceci va être une cause pour que tu aies la présence du cœur dans ta prière. Parce que si tu, tu n'as pas la protection d'Allah, tu seras, euh, bah le shaitan, euh, euh, tu seras euh, détourné, tu seras occupé, tu seras euh, par le shaitan. Et donc, tu n'auras pas la présence du cœur dans ta salat parce que lorsque tu vas demander, lorsque tu vas demander et tu vas avoir la euh, la protection d'Allah subhanahu hein, wa taala, à ce moment-là, tu auras la présence du cœur et le shaitan s'éloignera. min donc parmi les choses les plus importantes Parmi les choses les plus importantes hein, Pour la concentration dans ta prière C'est que tu demandes C'est que tu demandes La protection d'Allah contre le diable, Shaitan shaytan Pour qu'Allah puisse te protéger du Shaitan du diable Parce que Parce que il est l'insufflateur, c'est lui qui insuffle, qui insuffle les paroles sataniques. Hein. Et lorsque tu seras négligent, que tu seras laxiste, hein, que tu auras négligé, que tu seras laxiste en ce qui concerne le rappel d'Allah, eh ben tu auras droit, tu auras droit aux insufflations sataniques. Hein. Et même wa in zakarta Allah. Euh, comme on l'a dit et si tu euh, seras laxiste en ce qui concerne le rappel d'Allah automatiquement tu seras euh, touché par le shaytan mais si tu demandes la protection la protection d'Allah subhanahu wa alors le shaitan s'éloignera de, de toi alors bien entendu pour avoir, pour avoir cette protection d'allah subhanahu wa ta'ala bien entendu il y a une condition la condition c'est de connaître le sens de cette parole le sens de billahi shaitanir rajim", hein, à condition que la personne connaisse le sens de cette parole il ne suffit pas de demander la protection juste avec la langue uniquement comme malheureusement Beaucoup de gens, hein, c'est le cas pour beaucoup de gens, comme nous le dit Shir Abd al al-Badr. Les gens le disent avec la langue. Les gens le disent avec la langue uniquement, et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de gens. al al <fin Store -tied backstory> donc les, les, savants, les savants ont dit qu'Allah leur fasse miséricorde le on dit en ce qui concerne l'invocation l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire pour que l'invocation d'Allah est, pour avoir les fruits, les résultats hein, de l'invocation, euh, des euh, invocations qui sont faites à Allah, subhanahu wa les invocations légiférées, il ne suffit pas que la personne les prononce. Si on veut, c'est-à-dire le résultat des invocations, les fruits des invocations, euh, il, ne, il, il ne faut pas que ce soit seulement la prononcer. Euh, c'est-à-dire la prononcer et ne pas en connaître le sens. Il ne suffit pas de prononcer les rappels, les invocations légiférées et de ne pas en connaître le sens, car la prononciation sans le sens, hein, le sens euh, de ces invocations, les savants nous disent, il n'y a pas à ce moment-là la personne ne bénéficie pas des résultats, des résultats. Euh, de ses invocations. Puisqu'il n'a pas la connaissance de ces choses, il n'a pas connaissance de ce qu'il prononce, il n'a pas connaissance de ce qu'il prononce. Donc il n'aura pas concrétisé la servitude hein, par rapport à ces à invocations. Dans les invocations, il y a une forme de servitude lorsqu'on demande à Allah on est concentré, on s'humilie, on comprend ce qu'on dit. lorsqu'on demande, ya allah, protège-moi, etc., en arabe, la protection contre le shaitan, on doit comprendre ce qu'on dit en arabe et on doit en connaître le sens. et ce que cela implique. et lorsque il y a une servitude, l'invocation, l'invocation, c'est l'adoration. l'invocation, c'est une forme, un des genres d'adoration. Alors lorsque les, les ulamas nous disent, lorsque la personne ne comprend pas hein, ce qu'elle dit, euh, il n'y a pas, euh, elle n'aura pas, elle ne bénéficiera pas des, euh, de l'exhaustion, etc., etc. Donc la personne, le shir nous dit, la personne doit faire très attention à cela, à ce qu'il dit, hein, avec sa langue. Il ne doit pas seulement le prononcer juste avec la langue, hein, mais... Euh, il doit la prononcer aussi avec son cœur, hein, la présence du cœur, tout en étant, en demandant la protection d'Allah Subhanahu wa tout en se dirigeant vers Allah Subhanahu wa Donc euh, voilà, aujourd'hui dans ce cours en ce qui concerne, en ce qui concerne euh, la demande de protection euh, à Allah Subhanahu wa contre le shaitan ceci est très important. La preuve, le shir en a fait un cours hein, un cours euh, donc faites très attention hein, faites très attention et ne négligez pas cette chose là parce que on a un ennemi qu'on voit pas et qui est et qui est constamment à l'affût donc si tu, si tu baisses ta garde imaginez vous hein, euh, c'est une sorte de parabole hein. euh, quelqu'un est en train d'avoir un échange un échange, ce soit euh, il fait de la boxe ou autre chose, il a un, il a carrément son, euh, on va dire, ennemi en face de lui. Donc là, il voit les coups. Même en voyant les coups, même en voyant les coups, si la personne baisse la garde une seule fois, elle se prend des coups. Donc imaginez-vous un ennemi que tu vois pas. Imagine un ennemi que tu ne vois pas si tu baisses ta garde. Déjà, un ennemi que tu vois, ta garde, tu dois jamais la baisser. Mais alors, un ennemi que tu ne vois pas. Vous avez compris le, un petit peu le, et c'est ça justement. Jamais, jamais négliger ça. Ne jamais négliger ça. Je vais donner juste un petit euh, exemple pour venir appuyer ça. Je connaissais quelqu'un qui était très, euh, qui avait une place assez importante euh, en Arabie dans une école, une très grande école de traduction. Et cette personne, un jour, il a touché, il a été touché, euh, il a été touché, euh, bien entendu, par la volonté d'Allah. Il a été touché par euh, le mauvais oeil, mais ça, ça lui a vraiment euh, coûté cher. Ça lui a vraiment coûté euh, très cher. Euh, donc, par la suite, par la suite, euh, bon, cette personne euh, avait. Euh, a eu un cancer généralisé à 99%, euh, c'était fini, tout ça et tout. Par la grâce d'Allah, il a, il a réussi à, à guérir. Donc il a perdu l'usage euh, tout en dessous de la ceinture, il est sur un fauteuil. Il a perdu l'usage, mais il a guéri. Euh, D'un cancer généralisé à 99%, je ne sais plus. Euh, donc moi, je lui avais posé la question euh, au frère à l'époque. Euh, je avais demandé euh, qu'est-ce que tu penses euh, par rapport à quoi est-ce euh, que tu penses. Euh, mouhim je lui avais demandé son ressenti, son avis. Il m'a dit euh, euh, pour moi 100%, c'est euh, j'avais subi le mauvais oeil. Et euh, justement, euh, euh, et là, je vais citer le point qui est en rapport avec notre cours. Il m'a dit c'est vrai qu'à cette époque-là, euh, j'avais j'avais délaissé mes invocations. C'est quelqu'un qui faisait toujours les invocations etc et tout Et il m'a dit: à cette époque là c'est vrai que j'avais délaissé les invocations. Et en ce qui concerne le mauvais œil, il avait demandé à son chir, et il avait un chir là-bas et c'était son chir qui lui avait dit tu as été touché par le mauvais oeil etc etc. Donc euh, voilà c'était juste pour appuyer par euh, une expérience personnelle euh, que j'ai vu euh, que j'ai vécu euh, indirectement. Et dans le fait de ne négliger pas vos invocations. Si les invocations existent, si le prophète il avait des invocations quand je vais manger, quand je vais aux toilettes, quand je sors, quand ceci, quand cela, quand je vais à la mosquée, quand je m'habille, ne négligez pas les invocations. Surtout en ce qui concerne la demande de protection à Allah contre le shaitan. barakallahu fikum, assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك